Assalamu alaikum. Pourquoi le mécréant, souvent, il est offusqué quand il entend le mot mécréant? En arabe, kuffar ou kafir? C'est un mystère, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dévoiler le mystère. En fait, ce qui se passe, avant que Allah subhanahu wa ta'ala crée le corps dans la matrice, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les âmes. Et les âmes, ils se retrouvent au monde des âmes. Et avant qu'une âme soit insufflé dans le corps, il atteste devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'est le seul et unique Dieu. Pas de divinité hors Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il est insufflé dans le corps. Après le bébé, il naît et pendant sa vie, il oublie cette attestation. Mais pendant sa vie, il y a cette petite résonance. Ça veut dire qu'en fait, le mécréant, celui-là qui ne croit absolument en rien, toute sa vie, il va sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et quand il entend le mot mécréant, ça l'offusque en fait. C'est comme si ça le blesse parce que quelque part, il sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça qu'il se sent souvent offusqué par le mot mécréant. Mais ce n'est pas une insulte à un mécréant, ça veut juste dire celui-là qui ne croit pas. Mais il faut chercher la vérité. La vérité, elle est là. Allez, merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.